Salut tout le monde, c'est Paul et bienvenue sur Paper Mario de Origami King et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est laissé ici les poteaux et on doit partir à l'aventure et on doit aller dans la vaste mer. C'est ce qu'on devait faire la dernière fois. Donc, prêt à mettre le moteur pour la vaste mer. Mais bien sûr, mon frère, let's go! Donc, en gros, il faut se promener, je ne sais où. Mais pas enlever le ruban mauve, je pense. Je pense à 100% pour être honnête avec vous, mais bon. Waouh, la vaste mer est tellement vaste et cette brise tellement marine. Yes. Sif sif. Mais en fait, pourquoi il y a cette odeur tellement salée? Parce qu'on est dans la mer. Cette mer est si grande qu'il n'y a pas de mot pour la décrire, à part peut-être vastissime. Ou bien tout simplement vaste, maintenant que j'y pense. Yo, tu l'as dit, Buffy, frère, yo yo, let's go. Oh, regarde le serpentin mauve. Qu'est-ce qu'il fait si loin ici, au milieu de la vaste mer? Il est drôlement long, ce serpentin. Il semble aller super loin. La vaste mer est immense. On ferait mieux de suivre le serpentin de près si on ne veut pas perdre sa trace. Yeah! Mais la dernière fois, là, on m'a dit de venir ici pour chercher de l'info. Mais j'ai pas cherché d'info. Alright, yo, let's go, frérot. Pas le temps de niaiser. Yo, brother. Est-ce que tu veux venir sur mon bateau, frère? C'est gratos. Pouf, ma bourse a plouffé dans la mer. Moi qui économisais pour mes vacances. Oh, je suis prêt à t'amener ici, brother, mais tu veux pas? Non? Ok, alright. Oh. Yo, je lui ai dit c'était gratos en plus, man. Et là, regarde, Mario, le serpentin plonge dans la mer. Comment on va faire pour nous suivre sous l'eau? Il faut faire appel à la bubule dans One Piece. Ben, il faut mettre quelque chose autour de notre bateau, là. Il faut encercler, couvrir notre bateau de bubules. Oh! Attendez, est-ce que je peux y aller? Vroom vroom, let's go! Oh! Ah, mais comment vous voulez que j'aille? Attends, est-ce que je peux y aller? Oh! Oh! What? Stop! Ben non, brother, yo, faut juste suivre le serpentin pour quand tu me dis de m'arrêter. Quelle purée de poids! On n'y voit pas le bout de son nez! C'est de la folie pure que de s'aventurer dans un coton pareil, faisant demi-tour avant de nous perdre pour de bon. Ben non, brother! Ah, enfin, une coquille de noix! Si on avait une carte marine, on pourrait naviguer dans cette bouillie. Dans cette bouillie? Dans cette bouillie? D'ailleurs, puisqu'on parle de cartes, vous connaissez la légende du Capitaine Toad? Il s'agirait d'un marin légendaire qui aurait détenu une carte marine mythique pour vadiguer. Naviguer, pardon. Bien sûr, ce n'est que du folklore, le genre d'histoire qu'on raconte pour se rendre intéressant. Cela dit, une carte marine de ce genre ne serait pas de trop pour se diriger dans cette purée de poids. Attends, le Capitaine Toad, mais on le connaît! Il a dit qu'il allait au musée! J'étais au musée la dernière fois. Ah, elle est bien bonne celle-là! Alors comme ça, vous auriez croisé par hasard un marin mythique des temps reculés. Et ce dernier vous a dit qu'il allait flâner au musée. Ha ha! Attendez, c'est pas une blague? Mais alors, pas une seconde à perdre! En route pour le musée! Yo, tu es en train de t'adresser à un plombier qui est quasiment l'amant d'une princesse. Et ce plombier saute sur des tortues et des Goombas, c'est quoi? C'est des Goombas. Des petits caca verts. Et je veux dire brun. Brun, non, c'est les Koopas qui sont verts. Et ouais, et puis y a quoi d'autre? Ouais, je me bats contre des gens qui me lancent des marteaux sur la tête. Alors, ouais, j'ai rencontré un dude de l'ancien temps. C'est tout à fait normal, non? Pourquoi t'es surpris, frère? What? Je vais pas parler avec ce mec là. Non mais, le Capitaine Toad là. Je devais le... Hey, attendez, je vois quelque chose d'intéressant. Oh. Oh, ok, ce sont des poissons. Pendant un instant, je croyais que c'était autre chose. Ma balle. Non mais, j'étais allé au musée la dernière fois. Je l'ai même pas vu. C'est pas comme si je vais aller maintenant et je vais le voir. C'est comme... À moins que... We never know! Let's go! Et là, je suis surpris que personne ait de carte! Comme... Yo! Après tout ce temps-là, il n'y a personne qui a dessiné sur un bout de papier pour faire une carte de la voie maritime? Pourquoi? Et vous croyez qu'il y a des nouveaux trucs là-dedans? C'est un gros magasin ici! C'est comme le Dollarama de... Oh! Yo, vous avez beaucoup de trucs, les frères! Attendez! Let's go, on va shopping au Dollarama! Donc, botte de fer, oublie ça. Non, oh my god!
Ça me tente d'acheter des trucs, mais c'est cher et j'ai pas de cash. Le truc, c'est que faut que j'aille ailleurs. Faut que j'aille dans un endroit avec des accessoires, parce que je suis sûr que le mec avec des accessoires possède des accessoires maintenant. Ouais, il a sûrement fait le plein. On va aller au musée dans quelques instants, donnez-moi une seconde. Accessoire boy se retrouve... et ici? Est-ce que c'est ici ou de l'autre côté? Ah ben voilà, ma boy! What up, bro? Est-ce que t'as des trucs pour moi? Minuteur plus or! Oh ben, what? 4999! Je l'ai entendu parler de rabais. Yo, let's go! Ma dude, man! Yo, je sais pas s'il sait, mais une pièce d'or, ça change tout parce qu'il l'aurait vendu à 5000, c'est ça, à 100%. Et voilà, c'était le dernier, je n'ai plus rien à vendre, mais ne t'en fais pas, on va vite refaire des stocks. Et n'oublie pas d'équiper tes accessoires. Ouais, voilà, on va le faire tout de suite. Non, yo, une pièce d'or. En plus que la pièce d'or est gigantesque. Hé, moi j'accepte ça comme rabais, c'est pas un sou de différence, c'est une pièce d'or de différence, voyons donc. Allez, let's go, Pepito. On n'a pas le temps de niaiser. Ça va me donner plus de temps à réfléchir pour résoudre des puzzles lorsque je vais me battre. Parce que vous savez à quel point je suis nul et que je réfléchis comme une tortue. Donc, c'est ce qui arrive quand on prend l'âge, hein. Et plus on devient vieux, plus notre cerveau se ramollit, voyons donc. Hein, je pensais que le capitaine Toad serait dans le coin pour nous accueillir. Vous parlez du capitaine Toad? Du légendaire capitaine Toad! Il n'existe pas vraiment, vous savez, ce n'est qu'une ancienne légende pittoresque, certes, mais imaginaire. La pancarte dit qu'il est interdit de vendre à bord du Super Marino! C'est un flagrant délit de violation de pancarte! Tu l'as dit, Buffy. Mon précieux Marino, compagnon de jeunesse, le temps sur toi n'a pas d'emprise. Vous tombez bien, on parlait justement de vous! Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, la carte marine? Un objet garé n'est parfois à jamais. Son souvenir s'efface, comme la vague en mer se perd. Quant à la carte, je la possède. Aidez-moi à rallier la vaste mer à bord de mon fidèle vaisseau, et je le remettrai entre vos mains. Pardonnez-moi, mais j'espionnais par hasard votre conversation, et je pense pouvoir vous aider. Si vous voulez emmener cet engin sur la vaste mer, je suis votre Toad. Un sous-marin sur un bateau, deux illustres capitaines, la croisière s'annonce mémorable. Et mon exposition, alors, elle avait un succès fou, je ne peux quand même pas faire une exposition sans rien à exposer. Yo, t'as volé son vaisseau. Redonne le vaisseau, voyons donc. Encore un peu? Yo, il faut bien travailler, hein, les amis, j'espère que... Attends, ok, tu devrais être prêt. Si jamais t'as envie qu'il y en ait un peu plus dans le ventre, un de ces jours, Toad Motor SA est là. Est-ce que je les ai typés? J'ai donné des pourboires? Recevez toute ma gratitude. Ainsi que ceci. Carte marine! Le Toad John, là, qui travaille au musée, il a l'air content pour quelqu'un qui s'est fait voler son vaisseau. Formidable! Avec ça, on va pouvoir embarquer pour la mer de toutes les aventures. J'ai hâte! Apprendre que le capitaine Toad n'était pas une légende, c'est complètement barge pour rester dans le domaine naval. Pourtant, les anciens textes ne laissent aucune place au doute. Le Super Marino vous appartient, capitaine. Et n'hésitez pas à revenir au musée. Je me ferai un plaisir de vous offrir une visite guidée, sous réserve de disponibilité. À bientôt! Naviguer en compagnie de l'illustre capitaine Toad est un honneur pour tout marin qui se respecte. Et puis, transporter un sous-marin sur un bateau, c'est vraiment pas banal. Il fallait y penser. En tout cas, nous sommes prêts à lever l'ancre. Let's go! il va toujours se promener avec les yeux fermés? Hey my god, yo, il se prend pour Guin ou quoi? Hey! T'as une épée qui peut s'allonger, frère? Le temps qui passe jamais ne lasse... Attends, mon désir de grand espace. Un jour, il va ouvrir les yeux et c'est là qu'on va le trouver sérieux. Quand il va sortir un pouvoir magique. Prêt à mettre le moteur pour la vaste mer? Yes, sir, brother! Let's go! Ah, tout d'un coup, il est en haut, le dude. Et pourquoi il a toujours la tête penchée comme ça? Yo, t'as mal au cou, frère? Il est tout comme... Oh my god! Yo, je reste comme ça un peu et puis j'ai déjà mal, man. Oh, oubliez ça. Mais il s'est sûrement pratiqué toute sa vie, alors. Ouais. Appuie sur L pour voir la carte marine. Le vaisseau rouge marque ta position. Consulte régulièrement la carte pour ne pas te perdre. Elle est certes peu détaillée pour l'heure, mais je la compléterai au fil de tes découvertes. Ok, c'est une carte qui sert à rien, alors.
Il y a une île dont j'ai déjà marqué l'emplacement. J'ai baptisé ce dieu sinistre, l'île du crâne. Il semble que l'île du crâne recèle un secret qui pourrait être lié au brouillard surplombant la basse mer. Commençons par là. Appuie sur terre pour plonger sous les flots. Les fonds marins recèlent bien des surprises. Explore-les donc dès qu'un endroit éveille ta curiosité. À présent, capture l'île du crâne. En avant tout. Let's go! That's it? La fortune te sourit. Ok! Il y a sûrement un trésor... Wow! Il y a sûrement un trésor quelque part ici, hein? C'est pas comme si j'essaie où fouiller, voyons donc. Alors la carte me dit... Attendez! On va aller voir ce que le bloup bloup en bas à droite de la carte me réserve. On sait jamais. Peut-être que je vais trouver un Pokémon légendaire que je pourrais amener en combat avec moi. Alors... Ok, j'ai pêché dans le bloup bloup. Oh, j'ai même pas pêché dans le bloup bloup en fin de compte. Attendez une seconde. Peut-être qu'il faut vraiment que... il faut que je dise bye-bye au brouillard, hein. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, on va y aller, les potos. Ah, on n'y voit rien! N'aie pas peur, frérot! N'ayez crainte, ma carte nous guidera. Comment t'as pu naviguer dans ce brouillard sans carte? Oh! Je sais pourquoi! Le brouillard est comme... Regardez la caméra, nous, c'est comme si on avait un drone et on est en train de tout filmer à partir d'en haut. Pour vrai, c'est comme des nuages, voyez, comme... Mais si on zoome vers le bateau, y a pas de brouillard. Ah ah! Ok, je dis des conneries, man. Je suis désolé. Désolé. Ouais. Île du crâne. Brrrr! Dis, tu as pas l'impression que ce crâne lugubre nous observe? Il nous voit, j'en suis sûr. Tu ne sauras rester sûr à la peine de l'aventure. Il te faut dévoiler les secrets de cette île. Alright, let's go! Je sais pas ce que je vais faire ici là. Hey, y'a un accessoire boy! Est-ce que j'ai assez de cash? Attendez, je vais récupérer un peu de cash parce que je sens qu'il me manque un peu de cash pour pouvoir faire de quoi. Let's go, my dude. Voilà! Solidité, efficacité, qualité. J'ai des accessoires à vendre, ils sont très bien. J'ai rien à dire de plus pour vanter ma marchandise. Let's go! Oh. Marchez 10 000 pas avec ceci, vous aurez une récompense. Oh. Oh. À bientôt, probablement. Oh. Imaginez que c'est juste un trésor. Je vais tellement pleurer. Tu me fais dépenser 14 000 $, 14 Mario Money, juste pour un trophée? No way. Et j'ai vu un toad avec des ailes. What the hell, be honest? Jolie musique. Ok, je vois comment je peux entrer là-dedans. Hey, ma dude! Oh! Labo? Café? Bon ben, c'est l'heure de prendre une petite pause café avec nos ennemis. Hein. On va sûrement voir Goomba Boy et Marteau Boy. Ah, ok. Ton frère est mort, dude. Clic, 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 clic. Bienvenue, entre donc. Frère? Alright. Non? Ok, c'est bon. D'accord. Clic, clac, cliqueti, clac! Bienvenue au café des eaux secs! Que veux-tu boire? Un mocha morbide sans pièces. Oh, ok. Tu vas pas cracher dedans, j'espère. The hell? C'est quoi ton problème, Mario? T'as qui hier? Ne te plaît pas? C'est comme. Il m'a donné son bras! Je peux te prêter la mienne, le café ici est très bon. Non, pas avec le COVID-19, non, c'est correct. S'il vous plaît, on ne mâchouille pas les cuillères, elles doivent resservir. J'espère que tu es là, frère. Hein? Et votre copain Skelex va bien, il est affalé là depuis une heure. Le café que je lui ai servi doit être froid maintenant. Laisse-le tranquille, patron. J'étais de service toute la nuit à patrouiller, il est épuisé. Il était de nuit, le pauvre! Qu'il se repose à son réveil, je lui servirai un bon café tout chaud! Il est gentil!
Le boss est gentil en maudito. Moi, là, je reçois jamais de quoi de gratuit dans la vie de ce genre. Ah, ben non, c'est pas vrai. Depuis que je suis YouTuber, je reçois plein de codes de jeu de... Ah, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais dans le temps, yo, je devais payer toutes mes affaires. On me donnait jamais rien, voyons donc. OK. Yo, cet endroit me rappelle un endroit dans Paper Mario Color Splash sur la Wii U. Ça a l'air tellement similaire. À moins que c'est mon imagination qui me joue des tours. Je n'ai pas fait exprès, Bradette. C'est la première fois que je vais me battre contre des corbeaux, je pense, hein? Comment je... En trois déplacements? Yo, ça a l'air simple! No way! Ben non! Attendez. Comment? Yo! What? C'est le puzzle le plus simplistique, mais le plus dur que j'ai jamais fait de toute ma vie! Un? Deux? Quelque chose comme ça? Ben non! What? C'est ça quoi? Je veux voir la solution parce que je l'ai juste pas vu! Est-ce que je suis con? Est-ce que... Quand je vous disais que mon cerveau est ramolli, eh ben voilà, hein. Oh. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'ont vu dès le début, mais moi je l'ai juste pas vu. Je croyais qu'il fallait jouer avec les corbeaux qui étaient seuls. Pas les deux corbeaux qui étaient déjà en pile, vous voyez? Oh, c'est stupide, man. Voyons donc. C'était tellement simple que c'était difficile. Yo, si je l'avais tapé avec mon marteau, je l'aurais one-shot le dude, non? Ok, je vais l'avoir cette fois-ci. En deux déplacements. Ça a l'air de ça. Ça a pas l'air de ça. Si je fais ça... Like a boss, bro! Je me rappelle quand j'étais jeune, je pouvais réfléchir super rapide au presto. Mais maintenant que je suis vieux, là, oubliez ça. J'ai de la difficulté à faire des additions et des soustractions sans calculatrice. Voyons donc. Vous allez voir vous si vous allez subir ce sort-là dans le futur. Yes, ça. Ok, je peux pas brûler mes confettis. Bon, ben, vous savez quoi, je vais partir. Peut-être que je préfère de quoi plus tard, hein? Non? Non? What? Ok, il y a un puzzle à résoudre. Mais c'est pas là. C'est là. Et là, attendez, je vois quelque chose ici. Non, je vois rien, en fait. Ok, je vois un os brisé. Juste devant moi. Je vois cette affaire-là. Sauter ici, ça fait rien. Si je le tape ici, ça fait rien. Là, ça fait rien. Là, ça fait rien. Et là, ça fait rien. Alright! L'endroit était petit, là, mais oh! Si vous me demandez de résoudre des puzzles en 5 secondes, là, oubliez ça. Moi, je suis pas capable. Si on va là... Attendez, on va voir ce qu'Olivia a à nous dire. Maintenant qu'on a exploré une oreille, on ne va pas s'en aller avant d'avoir visité l'autre, si? Comment tu veux que j'explore ça qu'on voit de terre? Peut-être qu'il faut aller à l'extérieur et pogner de quoi, on sait jamais, hein? Peut-être qu'il nous faut un item. Ah, peut-être qu'il faut juste passer par là! Ok, je me suis vraiment forcé à chercher... Ok. Ah! Ok, moi je croyais qu'il fallait que je résoudre un énigme pour ouvrir la porte ici, entre guillemets, mais bon, en tout cas. Ok, il y avait vraiment rien à faire. Madoude!
que je fais des conneries, je suis désolé. Oh, je l'ai la solution déjà. Non, je l'ai pas en fait. Non, ça peut pas être ça. Il y avait quelque chose de similaire dans le temps, je m'en rappelle. Attendez. En fait, si on met ça là comme ça. Oh my god! Oh, deux déplacements! Non, ouais, attendez. Ça, là, non, c'est pas quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut les déplacer beaucoup de ce. Oh! Je crois pas que les bots normales soient assez puissantes pour les massacrer. Ah, en fait, mais eux, ils ont 30 vies, hein? Est-ce que c'est eux qui ont 30 vies? Je m'en rappelle plus. Si je t'aime bien mon truc, ça devrait être Tibidou. Yo! Oh. Oh. Alright. Au moins, j'ai pas fait appel à toi pour m'aider, hein? Nice! Donc, si on va à droite, peut-être qu'il y a de quoi qui se passe, hein? Je peux toujours pas jouer à ça. Est-ce qu'il faut que j'imite ce qui se passe ici? Est-ce que je peux taper ça? Ah! Oh! Je peux les taper! Oh! Ok, ok, attendez. Je sais pas si s'il faut faire un effet miroir parce que ici. C'est l'œil gauche du squelette qui est en flamme. Tandis que. Attendez, regardez. Tandis qu'à droite. Ouais, c'est l'œil droite. Alors peut-être il faut que je fasse un effet miroir, hein. Parce que là, je peux pas jouer avec ça, je peux pas jouer avec ça, je peux pas jouer avec ça, je peux pas jouer avec ça. Alors, cela veut dire. Que faut. Faire ça comme ça. Et ça comme ça. Effet miroir, évidemment. Fallait y penser. Ça me dit rien qui vaille. Oh, trésor! Hey! Ah, je peux pas jouer avec ça? Money Marino! What a boy! C'est seulement parce que le capitaine est venu ici auparavant, hein? Yeah! Oh, ok. Si tu cherches le paradis, rassemble les trois orbes sur l'île du carreau. Le paradis? Qu'est-ce que raconte cette statue? Un ventilo? Hey! Ils ont volé le ventilo que j'ai ici! Que j'utilise en ce moment même! Regarde ça! Oh! Oh, c'est comme ça qu'il n'y a plus de brouillard! Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas de climatisateur. Et chaque fois que je fais des vidéos, je suis en train de suer, c'est pour ça que j'ai un mini ventilo avec moi. Bon, ouais, le brouillard s'est complètement dissipé, c'est fou! Cherche, ça ne sera pas Cherche, ça ne sera pas en vain. Suis-moi, prends ma main, le paradis n'est pas loin. Oh, la rime, man! Oh, ça a l'air amusant. Mais la priorité, c'est le serpentin mort, j'imagine. Tu l'as dit, Puffy. Donc, si je lis ça, ok, il dit rien d'intéressant. Donc, attendez, il y a un taux d'aller sauver. Ici, je pense. Sauver, pas la peine, je vais t'indiquer où trouver un trésor englouti. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Oh! Ah! Je comprends maintenant! Ah! Il est bien gentil! J'arrive pas à croire qu'il veut pas aller chercher un trésor. Ben oui, j'ai fait naufrage. Tu peux pas savoir comme c'est ennuyeux, la vie de naufragé, c'est bien mieux dans les films. Ouais. Tommy, je crois pas qu'il va dire que c'est le fun, hein? À prendre le large, let's go!
J'ai pas pris de Wilson avec moi là, mais c'est correct. Ah, ce fichu brouillard a enfin disparu. On va maintenant pouvoir explorer toute la vaste mer. Ah ah, le serpent est mauve là, suivons-le. Non. Au début, je voulais aller en bas où il y a le bloup bloup là, mais vous avez encore oublié ça, man. Je vais aller chercher le trésor. Bah. Hein, quoi? Ding dong, bling dong. Rendez-vous au quai de Deauville pour découvrir le nouveau moteur de votre bateau. Ah, nice! Je devrais y aller pour vrai, mais attendez une seconde. Je suis sûr que c'est ici qu'il faut fouiller. Oh, ouais, j'ai complètement foiré vos cours. Évidemment que c'est à l'intérieur du cercle de montagne. Avec un trou, bien sûr. Voilà qui semble prometteur. Voyons ce que nous réservent les profondeurs. À quoi? Oh! Oh, ok, je peux jouer dans le sous-marin! Oh! Je savais pas que le fond de la mer était si joli, puis ça se joue avec la main. Ah ouais, ça se joue avec la manette comme ça. Ok, il y a quelque chose ici, déploie les bras avec X. I got you, my dude! Ok, remonte. Comment je remonte ça? Ah! Ben, c'est bien nice comme section. Excellent travail, regagnant la surface. Ah, c'est nice pour vrai? Tout ça pour un trésor de Goomba Mommy Macho. Ah ouais, c'est bon. Mais j'avoue que c'est mieux que rien. D'autres trésors attendent peut-être encore dans les profondeurs. Explore la moindre vague qui éveille tes soupçons. Yeah! I got you, my boy. Bon ben, il y a tellement de trucs à explorer. Je sais pas si vous avez vu, mais... Il y a un magasin à Toad. What? Moi, je voulais revenir dans le port pour aller chercher mon moteur, mais attendez! Aucun doute, cette île est en forme de champignon. Baptisons-la l'île champignon. Ok, tu vas vraiment marquer tout ce que tu vois sur ta carte, hein? Non, j'espère que tu vas en faire des photocopies, parce que si tu perds cette carte-là, c'est fichu pour nous. Je me demande qu'est-ce qu'on va trouver, des nouveaux items? What the hell? Ok, faut que je crache du feu! Il me faut un sac de pouvoir! Yo, il y avait même pas de glace au début, man! Et maintenant, il y a de la glace, c'est quoi cette affaire-là? Ça alors, cette maison est toute engloutie dans un glaçon géant! Il doit faire super froid à l'intérieur! Ouais... Ok... Bienvenue dans le monde... ouvert! De Mariotto! Ah ben voilà! Ok, est-ce que... Y a d'autres trucs? Y'a pas d'autre truc. Avant d'aller voir ce qui se passe là, voyons voir à droite. Ah, oh, il faut deux cercles de pouvoir sûrement. Non? Ok, c'est bon. Viens ici, petit poisson de tôt. Enfin, après avoir nagé pendant une éternité, j'ai atteint cette île. Mon ami et moi, on s'était donné rendez-vous ici en cas d'incident majeur ou petit bien-être. Je vais le libérer dans quelques instants, frère. Alright! On va se transformer en ho-ho! Il est par-ci, puis il est par-là. Et on fait un avion! Brûle tout, let's go! Même le Toad qui est à l'intérieur. Ouais, je peux plus manger de la glace. Manger de la glace. What? J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans la maison. Mais clairement, quelqu'un y vit. Où quelqu'un peut-il bien... Attends, désolé. Où quelqu'un peut-il bien se cacher sur une île aussi petite? Dans le jardin, bro. Quelque chose cloche sur cette porte, mais quoi? Ah, mais en fait, c'est moi la cloche. Il manque la poignée. Est-ce qu'on a une poignée de porte dans nos affaires? Yo, juste pète la porte avec ton marteau, mon ami, man. Y a peut-être que je peux utiliser une clé. Je te donne un point pour la créativité, mais ça ne marche pas pour ouvrir la porte. Non. Ok, ouais.
Une poignée. Yo, non, me dis pas que je dois partir d'ici. Que je dois trouver une poignée que je mets. My God. Même en kickant la porte, ça devrait être tigidou comme. Vous avez pas besoin de poignée, les amis. Et si on allait voir le Toad? Hein? Là, t'as quelque chose pour moi, frère? Ah, enfin, après avoir. Ok, attendez. J'ai trouvé ce qu'il faut faire. What? Là? Ok, attendez. Y'a un Toad? Oh! Dans le jardin! Le Toad est dans le jardin, mais je peux. Ouais, je peux pas. Je peux pas faire quoi que ce soit. Non, c'est pas dans les buissons qui sont là. Oh! Ok, ouais. Et c'est sûrement pas. Non, c'est pas cette rive-là. Ok, ben yo, les amis. En gros, faut vraiment que j'aille chercher une poignée de porte dans un endroit par rapport. Et puis, c'est pas ici en tout cas. Ben, en fait, ouais, hein, c'est pas ici. Regardez, y'a rien. I don't know, brothers. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, on a une poignée de porte à aller chercher. Mais c'est sûrement quelque chose de secondaire. C'est pas quelque chose d'important à faire. Alors, si je la trouve, ben je la trouve. Voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurez la de cette t-shirt de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Blablabla. Thank you for the match. Au fond de ce porto amico. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.